Deborah Lazzarotto, vous avez 20 ans, vous êtes vice-championne romande élite et jeune cavalière. C'est votre première participation ici au concours international de Genève en tant qu'invitée. Le concours s'est terminé pour vous. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé ce week-end. Le concours a été très fructueux. On a eu quelques résultats. On n'est pas venu ici en espérant classer tous les parcours, donc ça a été quand même une bonne surprise d'en classer quelques-uns. Ça a aussi démontré à quel point il y a encore un long chemin pour arriver au niveau qui sont aujourd'hui les gens avec qui on a couru. Mais ça donne vraiment la motivation en fait, de travailler un peu plus et puis d'arriver à leur niveau, parce que c'est vraiment chouette d'être ici, puis ça donne envie de faire que des concours comme ça en fait. Et de monter parmi les meilleurs cavaliers du monde, est-ce que c'est stressant? Est-ce que ça vous donne plus de pêche? Ça donne quand même plus de pêche, parce qu'on veut quand même leur démontrer qu'on a quand même un certain niveau, puis qu'on n'est pas ici que pour faire plaisir aux gens, mais qu'on arrive quand même à monter. Mais c'est quand même un peu stressant parce qu'ils ont un tel niveau et puis ils montent tellement bien qu'on ne veut pas être ridicule à côté d'eux. Mais je dois dire que ça donne quand même un peu de motivation à réussir quand même, un peu plus que quand on n'est que contre nous. On l'a dit, vous n'avez que 20 ans, donc vous avez tout votre avenir devant vous. Est-ce que vous voulez vous en faire votre métier? Oui, j'essaye. Maintenant, j'ai fini mes études, alors j'essaie quand même d'aller vers cette direction, d'en faire mon métier, mais c'est pas facile, alors je vais essayer pendant quelques temps, puis on verra si ça marche.